On se rend compte que beaucoup d'entreprises, encore aujourd'hui, se créent avec peu de moyens. Peu de moyens financiers, se lancent avec les moyens du bord. Et le conseil, c'est de se renseigner vraiment au maximum, de faire vraiment le tour de tous les dispositifs qui existent, de vraiment travailler sur son business plan, sur le plan de financement, sur les moyens opérationnels nécessaires dès le départ pour démarrer son activité. Il ne faut pas se dire seulement, voilà, je vais mettre au fur et à mesure. Non, il faut vraiment, dès le départ, se dire quels sont les moyens qu'il faut mettre en place pour vraiment créer mon activité dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, une entreprise ne peut pas fonctionner si elle n'a pas de fonds propres. Il ne faut pas minimiser ses investissements, il ne faut pas minimiser non plus ses fonds propres. Et pour ça, on est là pour ça, nous justement, pour essayer de renforcer les fonds propres de l'entreprise par le prêt d'un prêt à taux zéro qui est fait à la personne, de manière à renforcer ses fonds propres et pouvoir lever derrière un prêt bancaire, si nécessaire, lever un prêt bancaire plus important pour financer son projet. On donne vraiment une solution à une problématique réunionnaise, une problématique locale. C'est beaucoup d'entreprises se lancent avec très peu de fonds propres. Et c'est le nerf de la guerre. J'ai envie de leur dire qu'il ne faut pas, avoir peur de faire le tour. Il ne faut pas avoir peur de rebondir. C'est pas parce qu'il y a un qui dit non que l'autre va dire non derrière. Je parle notamment des banques. Il faut vraiment faire le tour des banques, pas s'arrêter, il y en a plusieurs sur la place, et de toujours rebondir et dire tout se fait pas en un seul jour.